Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo de Darkest Dungeon de Crimson Court, ou la cour pourpre ou ensanglantée, je ne sais pas comment on pourrait le traduire ça littéralement. Et donc là, on est parti pour une deuxième petite expédition. Alors... je ferais bien un petit tour avec... Tac. Et on regarde le... Ismas et Reno. Reno et... Comment elle s'appelle ? Munville. Et Munville. On va prendre de la bouffe. C'est une courbe, donc on prend 8. En temps, j'étais limite hein, quand même, donc je vais en prendre... Voilà, 12. Tac. 2 clés. Tac. Et... on est parti. Donc l'antiquaire, hein, si vous vous rappelez, ça... nous permet d'avoir plus de loot sur les cadavres et dans les curiosités. À mon avis, on fera deux expéditions. Parce que j'ai vu la première vidéo, 20 minutes, ça allait plutôt vite. Les ruines portent les traces des fouilles frénétiques de votre ancêtre. Et on est parti. Là, on doit faire 90% des pièces. On commence par la pièce du haut. On va redescendre. Un piège, ça commence bien. Mind that such missteps are the exception and not the rule. Et il arrive tout ça pour commencer son PO. The path is clear. We merde, j'ai pas regardé. The strength to follow it. À terre, recul de 1 bonus sur ça. Ah, moi ce que j'aime bien c'est vapeur insidieuse. Annoncer. Et voilà ici. Vapeur revigorante, je trouve ça terrible. Une torche. Ah ouais, par exemple, voilà ça, l'antiquité rare, c'est que si on a l'antiquaire. Et ça vaut quand même 1250 pièces. Hein. À savoir qu'on peut les stacker. Voilà, pomme. 90% des pièces. Hein. Ça sent le piège ou le combat. Ou... ouais. Hop, on mange, on mange déjà. In radiance, may we find victory. Un combat et une pièce vide. Ça va, pas un combat trop difficile et en plus ils sont surpris. On a peur de perdre. Ça par contre, c'est lequel je prends le deck de jet. Vivement le. Allez. La guide pour que je leur apprenne un peu ce que je veux. Protège-moi! Tout plus simple que ça. C'est là, c'est, ils ont que des, quasiment que des trucs que j'aime pas, comme compétences. C'est pas avec ça que je joue. Il y a déjà une bonne. Un bon stress, hein, la pieuse de tombe. Ah, un quoi. A brilliant confluence of skill and purpose. Ça se rouillait. Bon, l'antiquaire, tu vas me le fumer. Et... huile de serpent, dégâts de stress, moins 10%. Antiquité mineure, ça aussi, hein. 500 PO chacun. Je suis sûr que pas à ça. La bibliothèque, c'est quasiment que du... que de la merde. On va faire hop un tour et on va... The match is struck. A blazing star is born. Une clé. Ah, on prend des tutunes. Ah oui, aussi les, voilà, les tas d'or peuvent monter jusqu'à 2500. Tandis que si je me trompe pas, ça montait que de moitié. Enfin, ça s'arrêtait à 1250, un truc comme ça. Sedated. Hop là, petit esquive.
Bah, ok, il va pas ça. Pas inspiration and improvement. J'aime pas, c'est parce qu'ils ont vraiment des compétences que j'aime pas. Bam, et hop là, et on continue à prendre des thunes. J'en compte. Ouais, pour l'instant, il m'a rien pickpocketé. Ah, voilà un combat bien casse-couille. Déjà, hop là. Ça, ça provoque du stress. Voilà, 19. On va faire des premiers tours à... Ça par contre ça recule de 1. C'est pas un bonus d'esquive. Voilà, tu as un petit critique. On va faire que tu le termines. Ça va. Très petit dégât ça. Je vais terminer d'ailleurs. Un faible espoir fleurit. Hop là, un petit critique. Executed with impunity. Attends, j'ai des critiques là. Bon, ça, on va éliminer les cadavres, comme ça, ils se rapprochent. Normalement, là, ils... Voilà. Maintain the offensive. Allez, hop, 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 on prend, on prend. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Un piège et une curiosité. Alors le piège, hop, on les voit. Une fois qu'ils ont été découverts, on les voit et vous voyez qu'ils ont tous une petite probabilité de les désarmer. Normalement, voilà, c'est la pièce de tombe qui est la plus forte et en plus ça fait perdre un peu de stress. Le sac est vide. Boah. Boah. Hop là, c'est parti. J'espère que je peux utiliser ma dernière clé. C'est bizarre parce que dans la dernière partie ils sont tous au niveau max avec du stuff de pause, donc ça me fait bizarre d'avoir des petites attaques un peu pourries comme ça. Pardon. Alors toi, je veux dire tu vas mourir mais non. Continue the onslaught. Destroy them all. Pour dire non. Estelle commence à prendre cher. Death waits. Elle aussi. For the slightest lapse in concentration. Tu étais déjà plus protégé, toi. Pense bien cette histoire. Ça c'est bien. Oh, purée. Pas t'y mettre un. Là, tu vois. Là, ça va l'étourdir. Ah, non, ça va.
3 seulement, c'est pas grave. Ça c'est bien. Ça c'est moins bien. C'est bien touché avec critique. Voilà. J'ai un casse-couille de moins dans le tronc. Tiens, prends ça. Voilà, on est plus vite. On va t'empoisonner un peu. Bayonnette. Ça, c'est les coups qu'il fait quand il est tout prêt. Et voilà, merci, bonsoir. Du sang, oui, alors ça, c'est un nouveau truc qu'il y a avec l'extension, c'est du sang. L'appel est irrésistible. L'envie est irrésistible, seul le sang apaisera cette soif. En gros, il y aura certains nouveaux ennemis qui vont mettre une espèce de maladie sur soi qu'on pourra pas soigner normalement, qui est... En gros, on deviendra des espèces de vampires, et le sang permettra d'étancher notre soif si jamais on est en manque et tout, et pourra aussi un peu nous booster, entre guillemets. Je vais mettre ça. Hop. Je vais mettre toi à toi. Tac. Et tac. On va continuer, parce que j'ai envie de récupérer ce qu'il y a dans le coffre. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Je sais bien que c'est d'office pas un combat, sauf dans les couloirs bien sûr. Esquive mon couteau. A momentary abatement. Fait un petit peu de stress. Ah non, il y a un petit peu de stress pour rénover, non? Mais c'est bien parce que ce combat va me faire un petit peu de loot en plus aussi, donc toi par contre, ma fille, tu vas être bien stressée. Tu vas me faire un petit tour à l'abbaye ou à la taverne. C'est vrai que le croisé, l'emmerdant, c'est qu'il manque d'attaque dans le fond. C'est quasi, il n'y a aucun de ces trucs qui peut toucher dans le fond. Et voilà. Deux pierres précieuses. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Rien d'autre. Et rien d'autre. Et là, normalement, on sait qu'il y a... Ah, peut-être, il y a peut-être un combat, en fait. Eh ben, on rentre. On se sera fait pas mal de thunes. 13 000. Parce qu'à ce stade de la partie est vraiment pas... J'ai plus que ce que j'avais au total. 2 bustes, 3 tableaux, 4 blasons. Luminophobie. Ah, ça c'est chiant, ça. Je devrais enlever ça de luminophobie. Cupidité, ça c'est chiant. Destin tracé, ça c'est bien. Et luminophobie, ça je dois enlever parce que moi je joue souvent avec la lumière au max. Voilà, et donc maintenant on a la quête de la cour sanglante qui a débuté. La forge, la guide et tout. Ça, c'est toujours pas le sanatorium. Allure.
The forge stands ready to make weapons of war. L'armure ou les armes? De toute façon, déjà, il y a un cher ami ici qui va au vert. Devant le vert, à la vie, au chagrin. J'aurais peut-être dû l'avoir faire ça avant. Mais non, je trouve ça. Alors, la forge. Les armes. D'abord faire les armures. Fan the flames, mold the metal. We are raising an army. Make no mistake. Ce que je vais déjà faire pour mes persos, c'est prendre ce que j'ai envie. Tout pour l'instant. Prendre ça aussi. Alors, Dismas. Dismas, il a quasiment tout ce que j'ai besoin. Toi. J'aime bien le gaz toxique à l'entrée. Toi, par contre, tu peux prendre ça et ça. Et toi, ça, ça, voilà. Alors, hop, une armure. Donc vous voyez, en fait, c'est ce qui va faire monter leur stat, hein. Donc de base, il a une esquive de 10. Par exemple, voilà, il a une esquive de base 0, PV de base 24. Avec ça, son esquive va augmenter de 5, elle va avoir 5 points de vie en plus. Voilà. Ça, on ne sait pas augmenter. Ça, ça, c'est ce malin, j'aurais dû le faire après, hein, mais bon. Là, je diminue le coup. Ça, pour l'instant, on fera après. Ça, c'est bloqué. C'est ce qui va nous permettre de soigner les maladies et les manies. Et on avait dit que... With enough ale. Vous allez voir qu'en améliorant les bâtiments, ils vont un peu avoir l'air, avoir l'air d'une meilleure gueule. Ça, ça vend des trinkets. Alors, pour chasseur de primes, on a pas... Ah, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai en nouveau? Un occultiste, je prends. Une furie, je prends. Un deuxième médecin de la peste. Non, pas tout de suite. Augmenter, pas encore au quartier des héros. Allez, on va refaire une deuxième. Pour l'instant, on va pas y aller. Là, vous avez trop envie, ouais, mais non, là, on va se faire, mais déchirer, mais vraiment déchirer, parce que même s'ils mettent apprenti niveau 1, je vous jure qu'il faut pas y aller en niveau 1. Si vous voulez faire la première quête, n'y allez pas niveau 1. Alors ça, c'est aussi un nouveau, c'est les trinkets en 7, en fait. Vous avez des trinkets qui vont par paire, maintenant. Là, par exemple, soldat de plomb pour l'homme d'armes, une protection plus 10% et un critique plus 3%. Et si jamais on a la deuxième partie, je pense, on a dégâts 25% en riposte et 10 de précision en riposte. On n'a pas encore de méthode d'armes, mais ça ne saurait tarder. Ah bah tiens, un truc pour la furie. Ben, on va la faire, tiens. Alors, la furie, je la mets... Attends, d'abord, qu'est-ce qu'est la furie? Bien qu'elle est ça, mais ça on veut reprendre. On lui veut reprendre maintenant. Ce qu'il aime bien, c'est ça. 800, on se l'utilise jamais. Puis barbare, jamais. Percé, pas. Parce que ça fait un sacré debuff. Alors, toi, par contre. Voilà. Je prends pas le poignard sacrificiel. Alors, toi, tu vas dans le front. Toi, tu vas rester là. Et Dismas. Et sans pitié, mais no mercy. Ça c'est bon. Voilà. Puis c'est bon. Voilà. C'est parti. Ben, c'est toujours dans les ruines, donc. C'est parti. Deux runs, je me trouve par vidéo, c'est pas mal. Normalement, la prochaine semaine, on aura la nouvelle classe, le flagellant. Les morts vivants ne saigneront pas, mais ils peuvent être infectés. Oui,
Ready, ready. The fiends must be driven back. 100% des batailles dans les champs. Place to begin than the seat of our noble top. Line. Merde, j'ai pas pris de pelle. Alors quand on n'a pas de pelle, eh ben on va se taper des dégâts, la torche qui baisse et du stress. Donc faites pas comme moi, ne partez pas sans au moins une pelle. On commence très bien. Qu'est-ce qu'il y a en combat là? Non, bah non, je vais pas y aller. Oh, mais il y a trois combats. À mon avis, c'est les trois. Ça commence bien. Ils sont déjà bien stressés. Allure, toi, tu vas empoisonner ceux du fond. Très bien. Toi, tu vas saigner le premier. Voilà, très bien aussi. Toi, tu vas rater les deux du fond. C'est très bien aussi. Toi, tu vas. Voilà, tu vas terminer ceux du fond. Excusez-moi, Yuri. Bon, il se met. Ah, qu'est-ce qu'il veut? C'est bien. De suppression. Dra! Zbra! Confusion. Déjà mort. Comme ça, parce que ça peut me. Voilà. Me déplacer en fait. Que techniquement, il nous tape dessus. Je vais te réinfecter une deuxième fois, comme ça, normalement. Ouais, c'est bon, toi, tu es mort. Voilà. Je healerai. Non, je vais d'abord diminuer ton dégât à toi. Donc dégâts moins 30%. Et... voilà, celui-là il est déjà mort. Toi je vais taper. Ah voilà, ils sont morts. Ah, il doit avoir un truc. Alors ça, les pages du journal, je vous expliquerai après. Voilà, curiosité, voilà, c'est ça. C'est ça qui l'a forcé à... spirits are lifted, and purpose is made clear. Le du fond. Ça pique. Ça veut dire elle est morte. Unforeseen. Unforgiving. Toi, tu vas me le finir. C'est très bien. Ça, c'est très bien aussi. C'est quand même pas mal stressé. Je te soignerai bien toi. Alors le problème de ce soin, c'est qu'il est très puissant, mais par contre il y a des risques qui... allez, tu fasses saigner la cible en fait. Alors, c'est pour ça que j'ai changé, parce que ça, ça te permet de faire un petit empoisonnement, mais à saut devant aussi. Voilà, normalement ils sont morts. Ah non, putain, je pense qu'ils allaient le tuer. Mais... ça, hein. Take this, motherfucker. Alors, bah, on va aller au trésor d'abord. Il y a souvent les... putain, 90% et je l'ai raté. Mais c'est vraiment pas de bol. C'est des herbes, pas grand chose. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. Putain, purée, pardon. J'en aurais pas tué. Putain, elle a même pas été infectée non plus en fait. Il y a Jean qui va péter son câble.
Rien à qui sait. Ça commence pas bien du tout. The match is struck. A blazing star is born. Résiste, hein. C'était fini. Bon, après, je vais un peu les soigner hein, parce que voilà, je veux dire, ils commencent à prendre un peu cher. On a déjà au moins un de mort. Slowly, gently, this is how a life is taken. Confidence surges as the enemy crumbles. Je vais soigner voilà, ton saignement. Diminished. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Ça, heureusement que ça soigne et ça enlève le saignement en même temps. Regardez, par contre, il peut signer. Their formation is broken. Okay. Maintain the offensive. Good. Pas grand chose tout ça. Executed with impunity. Ça terminera le sujet du fond. Et voilà, ils sont tous morts. Et des rubis. Ça, j'ai plus de clés, donc on ne les touche pas. C'est parti pour la dernière pièce. Aïe, 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 aïe. Le tout, putain. C'est un truc qui a su. Ouais, dégâts moins 20%. Oh, j'ai pas de pelle. Even the cold stone très mal parti. Bent on passage. Ça va coûter cher cette sortie. Tu la sens déjà là. Genre, oh putain. Lui il est mort. Et elle est morte. Deux casse-couilles qui font du stress dans le fond, ils sont morts. C'est bien esquivé seulement. Putain, elle dismasse. Au bord de péter un câble. C'est bien. Lui, il est mort.
Alors quand un personnage meurt par saignement ou par poison, son cadavre disparaît automatiquement. Tant pis, même si ça saigne pas, ça lui fait des dégâts. Et un petit... Une petite infection. Et voilà. Et c'est bon, et on se casse. Et ben, c'était une sacrée petite sortie. Room by room, et j'ai un pendentif pour la furie. We reclaim what is ours. Photosensible, putain. Évidemment. Ça va me coûter très cher tout ça. En ville, les activités de réduction de stress sont légèrement moins efficaces, mais oui. Le sanatorium est déverrouillé. Oui, non, ça. Experimental techniques and tonics can overcome things a sharpened sword cannot. Curious methodologies and apparatus can calm even the most tormented soul. Non, c'était lumineux au plus aussi. J'ai plus d'autres malades, j'ai plus d'autres malades. La vendeuse nomade, ça vend des trinkets. Et le survivaliste, ça vend des compétences pour les campements. Et je pensais que j'avais le flagellant cette semaine. Ah, j'ai déjà notre premier boss qu'on fera sans doute à la... Colis d'éternité, uniquement flagellant, résistance ou fatale, plus 10%. Bien ça. L'apprenti nécromance. Ah, et qui j'ai dans la calèche, la diligence. The raw strength of youth may be spent, but his eyes hold the secrets of 100 campaigns. Ça, ce sera pour après. Ah ouais, je dois les envoyer se faire ces trois-là. Ils vont aller faire un petit tour en la taverne. À lui. Ah, il veut que se faire flageller. Et c'est chouette. Il y en a un qui a pris sa place. Donc Dismas ne pourra pas réduire son stress cette semaine. Donc, le gardien utilise un coup pour chacun d'entre vous. Cœur chez moi vif. Et j'ai pas encore, je peux pas encore débloquer une deuxième pièce. Donc voilà, Dismas lui ne pourra pas. Se déstresser. Ce qui reste. Je le suis donc. Pourquoi se priver? Ah, il est niveau 0. J'ai rien augmenté chez toi non plus. Non. Non plus. Ça, ce sera aussi un truc à augmenter. Moi ce que j'augmente en premier dans mes runs, c'est toujours la guilde et la ferme. Et puis après le sanatorium, et puis après seulement l'abbaye, la taverne, et après les petits trucs. Chasseur de prix, on n'a pas encore. Toi, pour bois vin. Je vais te mettre la pierre de santé. Et voilà. Et bien sur ce, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine. Bon, pour l'instant, hélas, on n'a toujours pas vu vraiment beaucoup de la nouvelle extension. Et comme je vous dis, à mon avis, pour la prochaine, on essaiera de se faire un petit... Ils vont s'en prendre plein la gueule, je suis sûr qu'il y en a qui vont crever. On fera un petit... petite incursion dans les... dans la cour. On devrait activer trois ruches envahissantes. Mais je vous garantis rien. Allez, petits amis, à plus !